Bonjour, frères et sœurs, bienvenue sur ce pod. Nous nous retrouvons pour cette affaire, l'affaire Tiwa Savage, c'est une chanteuse qui vient du Nigeria. Elle est parfois actrice, elle est auteure, compositrice. Récemment, une vidéo d'elle a circulé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui même, c'est l'information que j'ai reçue, apparemment, il y a eu une mise à jour, c'est-à-dire une autre vidéo, dès encore, est sortie. Et ça a provoqué beaucoup de réactions, y compris la réaction d'une de ses fans. Écoutez. I'm sorry, Tiwa Savage. Tiwa Savage, I'm so sorry. I'm sorry, Tiwa Savage. Tiwa Savage, I'm so sorry. Wow, vous avez entendu ça? Elle influence décidément les jeunes. Et face à cela, il y a certaines femmes qui ont dit: Ah, Tiwa Savage, comment peux-tu faire cela? Pourquoi peux-tu faire ce genre de choses? Sachant que des enfants te suivent et ils veulent faire comme toi. Mes frères et sœurs, problème. Problème. Et les gens ne font que parler. Ils parlent, mais quel est le problème? Le problème, c'est que, apparemment, son ex-copain aurait balancé cette vidéo. On ne sait pas si c'est volontairement, hein? Mais elle dit que vraiment, peu importe si c'est volontaire ou involontaire, elle lui pardonne. Vous voyez ça? Elle lui a pardonné même ce qui s'est passé. Mais les gens sur les réseaux sociaux, eux, ils ne veulent rien entendre ici. Ils sont en train de parler pour dire, mais Tiwa Savage, comment peux-tu aller faire les choses dans la douche? Comment peux-tu permettre que tu abattes ton gars et puis vous filmez? Comment? Mais moi, quand je regarde cette situation, je me dis vraiment, les gens font semblant comme s'ils ne connaissent pas la chose. Les gens font semblant comme s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Est-ce que l'affaire des rapports sexuels, là, tout ça, on calcule souvent les choses? Quand ça arrive et que ça prend la tête des gens, les gens font ça partout. Surtout quand le courant passe, ça passe partout. Et c'est une erreur que ces gens ont fait de filmer cela. Et c'est apparu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire, ah, pourquoi est-ce que tu fais ça dans la douche? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Toi-même, tu parles, toi-même, tu fais ça dans la voiture dehors, non? Est-ce que tu ne veux pas ça sur le toit de ta maison aussi? Les gens font pire qu'elles, mais on a l'impression qu'ils se sont réunis pour se décharger sur la fille. Ils ont eu l'occasion, hein. Ils vont en profiter jusqu'à demain matin. Vraiment, ça, c'est un truc hors du commun. Et parmi les gens qui parlent, il y a une femme aussi qui est venue, elle est venue parler. Elle dit que elle était dans cette chose. Mais depuis l'année dernière, elle a donné sa vie à Jésus. Elle dit, Tiwa Savage, ce que nous venons de voir montre que tu n'es vraiment pas une fille qui craint Dieu. S'il te plaît, viens à Jésus-Christ et attends le mariage avant d'avoir les rapports sexuels. Ah! Ça, c'est sa réaction. C'est sa réaction.
C'est les gens que j'essaie de vous donner ici. Vous voyez ça? Et les gens en parlent. Les gens en parlent. Vraiment, quand je vois ça, je me dis, nous devons être prudents. Nous devons quand même veiller sur nos pas. La vie est simple, hein? Mais si tu te joues de la vie va se jouer de toi. La vie est très simple. Il y a le feu là-bas. On lui dit, mon ami, ne va pas mettre ton doigt dans le feu, sinon ça te brûle. Toi là, si tu veux, faut quoi? Si tu veux, faut pas quoi? Mais je me dis, tester, rester. Tu vas tester que ça t'a brûlé. Hein? Ne vais pas te plaindre. Ne vais vraiment pas te plaindre. Que cette affaire de Tival Savage vous réveille, vous-même les chrétiens qui couchaient, qui avaient le rapport sexuel et qui vous filmez en vous. J'ai vu il n'y a pas longtemps un certain pasteur en train de faire une vidéo où il se masturbait pour balancer ça à une fille quelque part sur les réseaux sociaux et puis c'est apparu chez nous. Et quand il était en action là, vous avez l'impression que c'est comme si tous ces démons du passé là étaient revenus. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il était. C'est à ce moment-là que j'ai compris que vraiment, c'est vrai, on prie. C'est vrai, on a donné la vie à Dieu. Mais notre ancien côté là n'est pas vraiment parti. C'est juste éteint. C'est comme vous voyez le feu. C'est comme la braise. Tu allumes le feu, tu ne peux pas, tu finis là. Tu enlèves la braise, tu jettes ça à terre, tu mets l'eau dessus. Mais après, ça peut se rallumer encore. C'est là on dit que ancien feu s'allume vite. Ça veut dire que là, il faut que Dieu vienne vraiment nous délivrer complètement. C'est là on dit qu'il faut que la délivrance soit totale et durable. Donc ce que cette femme chrétienne a dit à Tibi, à Tiwa Savage, ce que je retiens, c'est aussi ça. Le rapport sexuel au mariage, la vie de couple, ça peut conduire à beaucoup de choses. Même le rapport sexuel dans le mariage, si c'est mal fait, ça va conduire au même résultat aussi. Hein? C'est pourquoi je vous dis, arrêtez de vous filmer déjà. Que ce qui se passe dans la chambre soit privé et que le Saint-Esprit vous assiste. Mais ne fais pas cela de façon désordonnée. C'est-à-dire, dans la cuisine, au salon, dans la voiture dehors, dans la piscine. Si vous faites ça, hein, même le voisin qui est à côté, s'il est de passage et qu'il est mauvais, il va vous filmer. Il va vous filmer. Et ça risque vraiment d'être désagréable. C'est-à-dire que le rapport sexuel, décidément, ce sont des choses vraiment à faire attention. Vous faites attention au sexe. Parce que le sexe, là, je vous l'ai dit, le sexe, il y a beaucoup de problèmes derrière le sexe. Quand il est mal utilisé, le premier problème, c'est la honte. Le deuxième problème, ce sont les humiliations. Et le troisième problème, c'est la mort. Il y a beaucoup d'autres sous-problèmes. Mais voici les trois grands problèmes que j'ai découvert qui se trouvent derrière le sexe. Là, qu'est-ce que tu vas savoir subir? Elle subit des humiliations. Tout et n'importe qui vient parler sur elle à raconter des histoires. De toute façon, ça, c'est censé être leur vie, non? Leur vie où ces gens-là passent le temps à s'habiller de façon sexy, à chanter des chansons assez compliquées, c'est leur vie. Mais quand ça se termine comme ça, que se passe-t-il? Et c'est là aussi, je vais vous dire à vous, les frères et sœurs, de faire très attention. Souvent, le diable peut vous tendre des pièges comme ça. On va dire quoi? On va dire que, oh, une célébrité s'est trompée pour se filmer nue en train de coucher avec un homme, avec son ancien gars. Et la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux.
Dès que vous voyez cela comme une ambition qui est là, et le diable a placé l'ambition parce qu'il cherche à vous attraper aussi. Il veut que vous venez regarder cela. Mais ceux qui sont faibles d'esprit, ils vont aller pécher après avoir regardé cela. Et Dieu sait ce qui va se passer après. Est-ce que vous entendez? Non, vous n'avez pas bien compris. Je dis qu'aujourd'hui, le diable peut passer par les célébrités afin de pouvoir pêcher des poissons. Beaucoup de poissons. Comme la personne est déjà célèbre, et que le diable cherche à voir des gens, le diable va donc provoquer cela. À même, ça peut être même en complicité de la star, de la célébrité. Si elle est dans la sorcellerie, elle le sait. Elle sait ce qu'elle a fait. Et elle s'attend à ce que c'est de tels effets aussi. Maintenant, vous, par curiosité, vous allez regarder ça. Si vous êtes faible d'esprit, vous recevez des flèches en même temps. C'est-à-dire des flèches spirituelles dans vos yeux. C'est là, les gens commencent à se masturber, ils ne peuvent plus s'arrêter. Les gens commencent à se masturber, ils ne peuvent plus s'arrêter. Parce que l'esprit, là, est rentré à partir de cette porte. Donc, comme vous voyez aussi de telles histoires, faites très attention. N'allez pas regarder ces vidéos si vous n'êtes pas fort d'esprit. Vous ne connaissez pas votre niveau spirituel, donc n'y allez pas. Ça aussi, c'est ce que j'aimerais ajouter dans cette deuxième partie-là, sur cette affaire de Tiwa Savage. Parce que vous allez entendre beaucoup ces temps-ci que telle célébrité a fait une vidéo sextape, tout se balade sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous de cela. Ce sont des âmes de guerre du diable maintenant. Pour pouvoir pêcher des poissons. Le diable vous voit comme des poissons. Et la maison est là. Avec un petit truc au bout. Et cette petite chose-là, c'est le sextape. C'est une vidéo très courte, non? C'est petite. Mais très dangereuse. Parce que c'est accompagné d'envoûtement. Il y a un travail spirituel qui a été fait dans ça. Ou bien derrière cela. Rien n'arrive au hasard sur la terre ici. Rien n'est fait au hasard. Pour une célébrité de son rang. Voir une vidéo comme ça apparaître. Ça m'étonnerait que ce soit le fruit du hasard. Ça aussi là. C'est ce que j'aimerais vraiment ajouter. Ajouter. S'il y a quelque chose d'autre encore à vous dire, je vais vous tout dire ici. Comme nous sommes en famille. Et vous allez vous préparer aussi. Donc, si vous entendez aussi que tel pasteur a accouché avec une femme dans son église, vous pouvez écouter ça, vous pouvez écouter ça. Mais n'allez pas regarder la vidéo pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dedans si vous n'êtes pas fort d'esprit. Si vous êtes fort d'esprit, il n'y a pas de problème. Vous allez aller sur un terrain sur un champ de bataille. C'est comme un lieu où les gens sont en train de se battre. C'est-à-dire des gens qui veulent se battre. Ils se sont donné rendez-vous, par exemple, aux Champs-Élysées. Ils ont commencé à tirer. Boum, 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 boum. Comme ils se sont donné rendez-vous à Paris, là-bas, ils ont commencé à tirer. Mais vous êtes curieux, vous voulez forcément aller voir si vraiment ces gens-là, ils tirent ou pas. Et quand ils tirent, qu'est-ce que ça fait? Si vous voulez aller là-bas pour voir cela, vous, il va falloir aussi être prêt. C'est-à-dire, il faut porter des antiballes. Il faut vous préparer spirituellement avant d'aller sur ce terrain-là. Parce que si vous n'êtes pas bien préparé, que vous arrivez sur le terrain où ça tire, vous risquez de recevoir des balles et vous allez mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Là, vous comprenez. Faites attention! Faites grave attention! Ce monde dans lequel nous sommes est un grand piège. Il y a beaucoup de pièges ces temps-ci. Nous sommes presque à la fin de l'année, non? Les pièges du diable ont commencé. Méfiez-vous. Évitez les films à caractère sexuel.
Éviter les clips où il y a des scènes X. Éviter toutes ces choses. Si vous-même vous savez que vous n'êtes pas fort. Moi, j'ai traversé toutes ces choses. Mais ça m'a pris plus de 10 ans. Vous n'imaginez pas le combat dans lequel je suis entré. Pour pouvoir m'en sortir, je ne savais même pas comment faire. Si ce n'était pas Dieu, comment il allait faire ça? Je me suis masturbé matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Du lundi au dimanche. Du dimanche au lundi. Même Dieu en train de prier. Je dis, Dieu, faut continuer ta prière. Nous ici, on se met sous. Mais aujourd'hui, je vois que c'était une grande perte de temps. Et le diable m'utilisait car tout. Je remercie Jésus-Christ de m'avoir délivré de cette emprise. Quand ce genre de choses vous arrivent, vous oubliez même que vous croyez en Dieu. Quand ce genre de choses arrivent, vous oubliez que Dieu vous voit, que Dieu vous regarde et vous faites des bêtises. C'est sans limite. C'est sans restriction. Vraiment, évitons beaucoup de choses. Voici le conseil que j'avais à vous donner. Soyez vraiment fort et prudent sur ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Que Dieu vous garde.